C'est un projet qui est nécessaire par l'accroissement de la population genevoise. Il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, on avait seulement 60 000 personnes qui franchissaient la porte. Aujourd'hui, on est à plus de 75 000 personnes qui, tous les ans, franchissent la porte des urgences. Donc d'abord, un enjeu d'extension, un enjeu d'agrandissement du service des urgences. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu plus technique pour avoir la capacité de moderniser, de mettre un IRM, de mettre un deuxième scanner, d'avoir une réduction des files d'attente. Puis le troisième enjeu, il est organisationnel, faire en sorte que ce service des urgences soit organisé de manière à répondre à la fois de manière très qualitative et efficiente pour les besoins des patients, mais aussi de manière rapide et à l'écoute de l'être humain qui franchit la porte des urgences. On maintient les urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout en travaillant dans un chantier. Et ça, c'est l'enjeu principal, logistiquement, pour les patients, pour les collaborateurs. Et on parle de plus ou moins 9 rocades, c'est-à-dire on déplace chaque fois les collaborateurs pour aller travailler dans d'autres endroits qui sont toujours des endroits provisoires. Et ça, c'est l'enjeu principal. Le projet lui-même, c'est d'avoir non seulement un service des urgences fonctionnel, efficace, mais aussi un plateau technique qui permettra de diminuer les durées d'attente et puis une organisation du travail qui sera complètement différente pour réduire quasiment à zéro le temps d'attente quand on arrive. On est tout de suite pris en charge. Un but en soi, c'est de ne plus voir ces salles d'attente qui sont pleines de patients et tout le monde attend, etc. Le patient, il vient aux urgences, il entre directement dans un flux, un tri, il est vu très vite par une équipe médico-soignante, un binôme médecin-infirmière. Et le but, c'est vraiment de raccourcir au maximum le séjour du patient aux urgences. Le service des urgences fait partie intégrante de notre fierté. Non seulement il fonctionne bien aujourd'hui, mais j'aimerais qu'il fonctionne encore mieux à l'avenir avec un plateau technique à la hauteur des exigences que sont en droit d'attendre les Genevoises et les Genevois.